19 ans, elle avait la quinzaine. Lui c'était pour un soir, elle pour une vie, mais ce n'était qu'un jeune. Lui aimait les femmes et arrondir son bif en fin de mois. Fan de forme courbée, plus de 20 conquêtes en 5 mois. Elle, fan de feuilleton, pensait qu'il allait assumer. Lui pensait plutôt combien de spliff il avait à fumer. Et à quelle sorte il mettrait pour ses soirées dansantes. Pendant qu'elle flippait de dire qu'elle était enceinte. Et quand elle lui dit qu'elle était en cloque, il s'énerve, allumine une claque, disant tes preuves sont en toc. Il frappa dans son ventre en disant casse-toi, c'est pas moi le père, je peux pas porter ce lourd poids, je préfère celui de mes haltères. Papa, mais t'étais où? Le jour où je suis né. Aujourd'hui, maman ne cesse de me dire qu'on a le même gros nez. J'ai vu une photo d'elle et d'un homme jeune épanoui. Elle avait le même regard qu'elle porte sur moi, seul ébahi. Papa, elle te connaît, elle te déteste, je sais. Moi, c'est pire, je te connais pas et je te déteste, tu sais. Mais t'étais où? Le jour de mes 1 an, mes premiers pas. Quand je comprenais rien. Les années passent devant l'école. Le père d'Alpha vient toujours me dire bonjour, franchement il est cool. Et en classe, de quoi j'ai peur et honte à ton avis? Une question très très gênante, qu'est-ce que ton père fait dans la vie? Dans quelques jours j'aurai 8 ans. Je suis le joker de mon club de foot qu'on fait rentrer à la mi-temps. Tel père, tel fils, rien que pour ce point commun. Mais pour devenir un homme, je fais comment? Papa, je comprends pas. Je te parle d'un papy, t'as presque 100 ans. C'est devant la fenêtre de sa chambre qu'il passe tout son temps. Il est devenu dingue, te diront les infirmières. Elles ont besoin de la chambre, elles le préféraient au cimetière. Les psychanalystes te multiplient les analyses, mais banalisent son capi, néglige la haine qu'il canalise. Ses membres se paralysent, seul il prépare la liste des biens qu'il lèguera à son fils pendant que celui-ci se barre à Nice. L'enfoiré est devenu généraliste, il a une femme, des gosses, écrit tout au G du Khalis. Mais il a foutu son père en maison de retraite, c'est pour ça que je lui souhaite qu'on le jette dans une maison de traître. Des fois la nuit, ses pensées quittent l'hospice. Il se rappelle de quand au lit son gosse pissait. Il se rappelle du centre commercial et des flaques de larmes qu'il laissait au sol quand il chiale. Toute sa vie, il a supporté ses caprices. Aujourd'hui, la seule qui le visite, c'est la rééducatrice. Il voulait sa villa, Zeppo sous pastis. Maintenant, pour pioncer des cachetons, faut que tu lui en passes 10. Telle la découverte de scènes d'horreur dans une maison de retraite. Enquête express. Lundi matin à 7h, policiers et médecins investissent les lieux. Une quinzaine de personnes âgées sont couchées dans leurs excréments, attachées par les poignets sur leur lit. Plusieurs portent des traces de coups. La plus âgée a 96 ans.